Salut, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans l'émission spéciale, on va découvrir une partie de Montréal avec moi qui s'appelle Vieux-Port. So as I'm walking here, I'm going to show you guys. Je vais vous montrer un endroit qui est vraiment bien sur Montréal. And as you're going to travel and when you come visit, tu peux visiter cet endroit qui est vraiment magnifique. Et bon, on va découvrir toi et moi. Donc voilà, il y a un peu de l'eau ici. Comme je fais quelques recherches. Donc Vieux-Port, c'est là depuis 611 quand les Français faisaient leur trade des échanges. Ça s'est fait ici et à partir de 1990, ils ont un peu arrangé ça. Donc si tu vas au Canada, Montréal, jette un coup d'œil ici. Alors on va marcher, tu vas voir avec moi, c'est magnifique. Donc là-bas, vous allez voir, il y a beaucoup d'endroits, c'est un peu genre antique. Et il y a un endroit ici, un peu là, c'est écrit Vieux-Port. Et de l'autre côté, c'est en anglais, c'est écrit Old Port. Donc, so there's a lot of things here. Il y a des endroits à manger, vous allez découvrir avec moi. Une fois encore, si vous n'avez pas encore subscribe sur ma chaîne YouTube, je vous prie de le faire maintenant. Juste clique là-bas. Et merci beaucoup pour tout ce qu'ils font. You are the real MVP. So, donc, viens avec moi et on va découvrir le Vieux-Port du Montréal. L'eau n'est pas si impact que ça, but it's really nice. J'aime le truc, même si je veux pas essayer de jouer là-bas. I don't like high things. J'ai vu, il y a des endroits, il y a des camions avec des nourritures là-bas. So, ici, quand même, des nourritures. Alors, on va marcher. Comme bien. Il y a quand même des nourritures. Et puis là-bas, il y a comme It's like places you can buy things as well. Tu peux acheter des boissons, il y a des kiosques. On va passer là-bas pour voir un peu quel genre de kiosques ils ont. Let's go, come on! Yes! Tu vas pas courir quand tu vas le faire, c'est juste moi, je suis tellement excitée d'être dehors. Et j'ai passé du bon temps. Il y a des boutiques, des shops, voyons voir. D'un coup d'œil, bien sûr. Donc, ils vendent des bagues. Il y a beaucoup de choses, des bijoux qu'on vend. C'est quand même intéressant. Tu peux regarder. Je vais un peu aussi que vous voyez. C'est beau, hein? Regarde ça, des couleurs. That's very nice. I like it. Et c'est moins cher. Un pour 20 dollars. 20 dollars canadiens qui est une dizaine de dollars américains et 2 pour 35, c'est un bon prix. Donc voilà, so, intéressant, voyons voir encore quelque chose qu'ils ont ici. Apparemment, ils se ferment, c'est juste fort, Canada. Donc voilà, en tout cas, jetez un coup d'œil une fois que vous êtes à Montréal, il faut vraiment venir. Ici, on vend du candy. Yes. Acheter candy, oh oh, non, my teeth is not good. Mes dents sont pas bons, c'est vrai qu'il y a des bons candies ici. Ça s'appelle la bonbonnière du Vieux-Port. Il y a des candies ici. Si vous avez des enfants, vous voulez des bonbons, en tout cas, venez avec eux, vous allez trouver quelque chose à faire. Franchement. Et ici, on vend exceptionnel, je dirais. Donc, je vais vous montrer quelques boutiques. Il y en a encore plus. Il y a des macrocos à côté, il y a des rubans, il y a des lunettes. Et là, on va continuer à marcher au port. Donc, il y a de l'eau à côté, gauche, droite. Il y a des oiseaux, des birds. So, this is super cool. Je vais prendre des photos ici. J'ai pris quelques photos. C'était vraiment bon. On a plein de famille. Comme je dis, tout le monde nous welcome. L'eau n'est pas très profond que ça, c'est juste au-dessus là. Mais it's interesting. Oh, regarde le port là-bas. So this is like a different thing. As you see. C'est comme un petit bateau là en bois. Avec le cheval et l'unicorne.
it's interesting. So, you want to go? Ça fait un peu antique, contemporain. I like the view. I like that. It's good. Donc voilà, on va continuer à marcher. Alors on va marcher. C'est beau. So please come to Canada. If you're in Canada, make sure you check this place. It's super fun. Your girl is not about to do that yet, so peut-être qu'un autre jour. Je suis quand même tentée, hein. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Je le fais ou je ne fais pas? Pousse. Voilà, donc c'est ça du plus près. Et c'est some fresh air. Sign or whatever you want. So for me, j'aime des endroits comme ça juste pour respirer et voir la nature en soi. Il n'y a pas grand chose à côté en tout cas. Il y avait des choses, je crois des ice cream, mais c'est fermé vu la situation actuelle. Et donc, il y a crème glacée là-bas. Il y a cabine photo, mais quand ça va s'ouvrir, on va encore venir, mais ça c'était juste pour checker. And so far it's very nice, malgré les déconfinements petit à petit, les choses commencent pas à s'ouvrir, mais une fois que tu es prêt, en tout cas, check it out, this is a very place to do, et on va continuer à explorer, on va de l'autre côté, viens avec moi. Tu peux venir, tu peux faire des pique-niques, genre les pelouses sont pas si great que ça à côté de l'eau, mais tu peux te faire un truc, un truc un peu privé entre amis, entre conjoints, je sais pas moi, anything, so interesting, même juste pour toi-même, tu peux venir have a you time, tu te relaxes, I think I'll do that, voilà. Donc tu peux, il y a des ports quand tu marches, on va avoir vu le nom aussi, hein? Vieux port, donc il y a beaucoup de ports au-dessus de l'eau quand tu marches. Et voilà, tu vas tourner de l'autre côté, on va retourner où on était et on va aller de l'autre côté du vieux port, ok? C'est un bon truc. Bon, vu le nom, encore une fois, le vieux port, donc il y a beaucoup de ports ici. Marcher de derrière, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez il y a un beau paysage là. Yeah, it's a very nice view. That I think you can enjoy. So voilà, un autre pont. So on passe que de pont au pont, which is interesting. J'étais petite, j'avais en tout cas la phobie de pont. Je n'aimais pas marcher sur le pont. Every time there was a pont, I was like, no, don't take me. Et là, je suis en train de marcher, so il faut vraiment vaincre la peur. Hein? Mais je suis déjà assez grande, du coup, ça me fait plus rien. Bah, ou même, when I was a little, pas de port pour moi. Non, merci. Interesting. Okay, that was so funny. C'est intéressant, hein? Si j'étais un coup d'œil. Oh my god, it's so beautiful, even from the barrage. Là, vous pouvez avoir un vélo dans le barrage. Pas de voiture, no car allowed. The place is small. And then for public safety. Vous voyez là-bas, le truc boule. Et puis notre endroit, c'est beau déjà de loin et j'ai hâte de voir ce que ça peut faire quand j'arriverai là-bas. So please stay with me as you're gonna experience this et quand tu seras au Canada, n'oublie pas de checker. Ooh, you see how that's nice over there? Oh, my heart! C'est trop beau en tout cas. This is so nice, guys. Like it's natural here.
experience this. You just pick more this up. Yeah, you have it. Noirci juste là. I wonder what's going on. We got some angels here. Donc, il y a ce noirci là. Ici, nous est un peu plus profond. As you can see, c'est vraiment deep. Donc, voilà. This is where things happen. Quand il y avait des échanges qui venaient au bateau, c'était par là de l'autre côté. J'ai une petite histoire pour vous qui vient de se passer. Il y avait une baleine ici, donc il y a quelques jours là. Elle est morte. Sorry, we just lost the baleine. Et ça lui donnait la joie aux Montréalais, ça lui donnait la joie aux gens. La baleine sautait, mais hélas, comment je suis venue, la baleine n'est plus là. Mais bon, we're celebrating the joy that la baleine a donné en passant par ici. Et il y a vraiment beaucoup de oiseaux qui passent. L'atmosphère est cute, it's peaceful, it's calm. Really love it. Je sais pas si je peux vous faire expérimenter ça par vidéo, que vous pouvez. It's very nice. Et j'aime la nature, j'aime the fresh air. Ah, it's so cute. So, please check it out. Ouais, la banane était là, dans les alentours, elle sautait, mais bon, hélas, on va expérimenter the beautiful natural event sans la baleine. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, comme vous allez venir, il y aura une autre baleine aussi, who knows. Donc voilà, restez tuned. Et là, on continue, on va marcher un peu et on va expérimenter ensemble. Donc tu peux aussi, vous voyez là-bas, il y a des gens en bateau, je vais faire having so much fun. Yes, yeah, so it's possible to have a lot of fun. So yeah, come on. Don't mean la musique, hein? So you can dance, you can play your music, you can do whatever you want to do. Here she is, my beautiful friend. Not Juliana. She makes fun of me comment je commence mes vidéos. Hi, what's your name? My name is Marina. Marina. The only one. Okay. Daughter of God. Amen. She's the one who recorded me. So, comment tu trouves Vieux-Port? C'est ta première fois aussi? Ouais. Et pourtant, ça fait quoi? 2 ans que je suis à Montréal. Oh là là. Oups. Tu vois? C'est pas cool. On va aller. Que Juliana vienne. Vraiment. Et mais comment tu trouves? J'aime beaucoup vraiment l'air pur, la nature. Exactly. Il y a aussi un contraste entre tous les buildings qui sont là. Yeah. Voilà, look at that. So beautiful. Yes, so on va vous montrer nous deux. Yes. Yeah, that's where we're going. Yeah, on va découvrir. C'est un peu. Tout à l'heure, je crois que Juliana vous a parlé de l'endroit qui est là-bas. Ça s'appelle le biodôme, je crois. Je crois qu'ils font pousser des plantes rares ou certaines choses un peu spécifiques. Oh. Nice. Pour y aller, je crois qu'il y a un métro. Là, un métro? Un métro qui s'arrête là-bas. Ok. Je crois que c'est un métro à la ligne jaune, je crois. There we go. Le métro. Yeah, donc pas besoin de prendre de voiture. Il y a un parc là-bas, mais vous pouvez venir en bus, en métro. Voilà, vous pouvez aussi marcher, c'est bien marcher. Voilà, voilà, comme Marina. Bon, moi j'ai marché, hein. En fait, on a pris les transports et après on a marché. Ok, guys, yay. Yeah. Voilà. Merci Marina, tu continues à me filmer, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, on continue de découvrir Montréal, dans les endroits ici. C'est comme un empty parking, il y a des boîtes à côté, il y a des trucs que tu peux jouer. C'est comme des jeux qu'on jouait là en Afrique, hein. It's so fun. Bon, toi, si tu vas jouer à cet endroit quand tu vas venir à Montréal, c'est un endroit où on met juste des pancartes. On va aller checker les bateaux. J'aime trop les bateaux. Oh là là! J'aime bien les vues là-bas. Ou ici, tu vois la cité. Non, it's so beautiful. It's so refreshing. Ça s'appelle plage de l'horloge là-bas. Love Harrow Beach.
Right there. Cool. Clock Tower Beach. Et effectivement, le clock qui est là, vous voyez. Voilà. C'est le Clock Tower Beach. So, yeah. Et on va regarder, il y a pas mal de bateaux. Allons-y. Donc, il y a des bateaux. Oh, this one here. It's like a little mini beach. Yeah, it's a little mini beach. And then you can see the bateaux, the sound des oiseaux, all natural. That's so cute, I love it. Donc, voilà. This is very nice. You should check it out. You really should. I'm having fun. I'm having good fun. Et puis on entend le son là, et des oiseaux. Life is beautiful. I know I can sing. But it's okay. Who cares? La vie est belle. Je sais, je peux pas chanter. Mais peu importe. Donc voilà, on a regardé, on a visité Vieux-Port Montréal ensemble. It was a pleasure to share this place with you. So I'm just gonna tell you, my name is Juliana again. Please subscribe to my channel if you haven't. This is a beautiful place. C'est un endroit qui est vraiment beau et tu peux visiter quand tu peux. There's so many things right here. As I showed you, it was really nice to show this wonderful place avec la nature, toutes ces choses qui sont bonnes. So thank you again, prenez bonne chose à vous, take care and may God bless you. Bye bye.